Salut à tous les gars, c'est Babar, on se retrouve pour un nouveau Let's Play sur GTA V. Donc là on se retrouve avec Michael. Donc là voilà, je viens de vérifier, j'ai bien reçu donc la paye du dernier braquage. Donc c'est bon, on va pouvoir aller customiser un petit peu notre personnage. Donc on va commencer par lui acheter des armes. Ouais, on va lui acheter des armes parce que ça reste un petit peu quand même le plus important. Le véhicule, on verra ce qu'on peut faire, mais on va déjà commencer par les armes. Donc là, ce sera un épisode vraiment entre guillemets customisation de personnages. Pourquoi je dis entre guillemets? Ben, tout simplement parce que il n'y aura pas de. Enfin, je vais pas leur acheter des fringues, je vais pas les customiser dans le sens là, je vais customiser leur véhicule un petit peu, customiser les armes, enfin voilà, tout ça quoi. Wow. Donc voilà, donc là on va se rendre donc à l'armurerie pour. Ouais, vous l'avez vu le cerf? On va se rendre à l'armurerie, voir un petit peu ce qu'on a de bien à acheter. En sachant que pareil, même si là on a un petit peu moins d'un million, on va pas non plus abuser sur les armes, on va s'acheter juste des armes, enfin on va pas dépenser d'argent dans des camouflages et autres accessoires comme ça, enfin c'est inutile. À ce stade-là du jeu, c'est vraiment inutile. Au moins on va s'acheter peut-être de meilleures armes. Déjà, je sais même pas si j'en aurai beaucoup de débloqués, mais on verra ça. On va pas se prendre la tête. Allez, c'est parti, c'est parti. Hop, alors, déjà, des gilets pare-balles, on va pas s'en prendre parce que c'est bon. Alors, côté armes, qu'est-ce qu'on a? Voilà, pas grand-chose de débloqué de ce côté-là. La machette, on va la prendre. Le caisson, ça, on va tout prendre. Par contre là on va quand même lui il doit bien faire mal à mon avis. Hop, le couteau on prend, tout ça on prend, c'est cadeau. Ensuite côté là on va se prendre le fusil à pompe, on l'a déjà. On va se rajouter le petit silencieux, la petite torche. Et ce sera bon. Ça, on s'en fiche un peu. Le sniper, on va le prendre avec le silencieux. La lunette améliorée. Et c'est bon. Après, on s'en fiche. Ça, on prend pas. Ça, c'est gratuit. Donc, évidemment, on prend. Hop. Voilà. Avec un peu de mun. Histoire d'agir. On va monter jusqu'à 4000 et puis ça ira bien. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? La carabine spéciale, évidemment. Alors, pareil, on va monter jusqu'à 4000. Et on voit l'argent qui diminue quand même, mais on va faire gaffe parce que j'aimerais vraiment customiser un petit peu le véhicule quand même. Voilà, là on va se faire un petit kiff, je crois. Allez, hop. Hop, là il n'y a plus rien. Hop, on va se prendre quand même les bombes collantes. Les bombes de proxy et les grenades. Voilà. Là, je pense qu'on est plutôt bien équipé. Hop. Ouais, c'est bon, ça passe. Ok, parfait. Bon, alors, maintenant, on va se rendre au Los Santos Custom, histoire de customiser un petit peu sa voiture. Ouais, donc il faut savoir hein, que j'achèterai
plus tard, hein, quand on aura vraiment plus d'argent, j'achèterai un garage pour chaque personnage et qu'on remplira de véhicules. Mais voilà, pour l'instant, on va se contenter de celui-ci, on va pas acheter un véhicule tout de suite. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais m'arrêter au bord de la route et je vais vous montrer un petit peu les véhicules qu'on a donc à disposition en mode histoire. Donc pour ce qui est des avions, du basique. Ensuite, dans la case Legendary, ça s'arrête ici en fait. On n'a pas tout ce qui est mis à jour au-dessus, on n'a pas. Donc c'est dommage, on va dire. Par contre, on a la T20, donc ça c'est bien. On a l'Osiris aussi, ça c'est cool. Zentorno, tout ça, c'est plutôt pas mal. Les prix sont identiques. Ouais, les prix sont identiques. Alors ça c'est pareil, c'est bien et oui et non, on va dire. Enfin, on s'en fout un peu, mais c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien. Au moins, on s'y retrouve. Par contre là le tank, voilà, là il est à 3 millions, je crois qu'en ligne il est à 1 million 5, hein. Je demande confirmation d'ailleurs s'il y en a qui peut me confirmer ça, mais je crois que c'est bien 1 million 5. Les bateaux, bah il n'y a rien de plus, sauf qu'il y a du bateau en moins forcément. Déjà il n'y a pas le yacht, ça c'est vraiment dommage, j'aurais vraiment aimé avoir un yacht en mode histoire. BMX c'est du classique, enfin un vélo c'est du classique, et en dessous dans Souterrain San Andreas c'est aussi du classique. Alors par contre là vous verrez que au fur et à mesure du temps j'achèterai beaucoup de véhicules là-dedans parce qu'il y a quand même pas mal de véhicules qui sont vachement stylés à montrer. Mais on verra ça ultérieurement. Pour l'instant c'est pas l'actualité. Voilà, là on est tranquille avec ce véhicule, on va les customiser. Ouais par contre ouais, il me reste quasiment. Ouais. Combien il me reste? 671 000, on est large. De toute façon, on va pas pouvoir tout customiser, ça c'est sûr. Par contre, il y a un véhicule de custom là, pas mal à côté là. Je serais presque tenté de le prendre et de le mettre dans le garage, Lucie. Hop, blindage, on se met ce qu'on peut. Un email, ok. Les freins, on met ce qu'on peut. Pare-choc. Ah, c'est pas ouf, hein. On va se mettre celui-là. Pare-choc arrière. C'est pas ouf non plus. On va mettre celui-là. Moteur, hop. Échappement. Alors, on va accélérer un peu pour plus qu'il y ait de fumée. Ah, j'aime bien cela, moi. Je les trouve stylés. Les ailes. Oh, on va les mettre comme ça en chrome. Ça rend bien, je trouve. Ah, ouais, la calandre. On va se la laisser en noir. Non, on va la mettre en chrome. Capot. Capot en carbone, non. Celle-ci, allez, on abuse un peu là. Ah ouais, mais 150 là, le klaxon clown, alors qu'en ligne c'est 5000 quoi, ils abusent. Les néons, hop, 3000. Ah ouais, en ligne c'est 30 000, comment c'est beaucoup moins cher en vrai. J'avais pas fait gaffe, mais ouais, c'est abusé quoi, c'est carrément moins cher. La plaque, hop, la peinture, on va se mettre du. On va se mettre une belle peinture. Disons. Disons quoi d'ailleurs? Un petit bleu ultra. Ouais, bleu ultra. Et on va se mettre un petit peu de nacré. Nacré rouge comme ça rend plutôt pas mal. Ouais, on va se prendre ça et on va faire un tour quand même.
Au niveau du reste, ça se voit moins. C'est un peu moins intéressant le reste par contre. Donc on va rester en rouge. Hop, les couleurs secondaires. Du coup, je suis parti sur du mat. En fait, on va pas se mettre du mat. On va se mettre du rouge. J'ai une idée. Oh non! Je voulais mettre du rouge nacré bleu ultra. Genre vraiment l'inverse quoi, mais c'est pas faisable. C'est dommage. Ouais, non, ça fait vraiment dégueulasse comme ça. Par contre, il y a forcément une couleur qui va passer bien et ça va être le jaune pâle. Voilà, jaune pâle, le toit. Galerie? Non. Le toit en carbone? Non. On va se laisser le toit normal. Bas de caisse. Ouais, on va se mettre celle-ci. Elle rond. Ah, on va se laisser celui-là, il est pas mal. Suspension, transmission et turbo. Ok, les roues. Les roues, on va partir sur celle-ci. Hop. En jaune racing. Non, j'ai oublié un truc. Voilà. Hop, la fumée, on va mettre. Oh, patriotique. On va mettre patriotique, c'est disponible, c'est bon. Fenêtre. Hop. Voilà, bon, c'est un petit peu brouillon, on va dire. Ça le restera peut-être pas comme ça, je sais pas, on verra. En tout cas, là, voilà, on a déjà un meilleur véhicule. Malgré que ça soit pas un véhicule non plus super ouf. Oh, on n'a pas dépensé beaucoup d'argent. On n'a pas dépensé beaucoup d'argent. Du coup, je sais pas du tout quoi faire. Ben, j'allais dire que je vais acheter un véhicule, mais non, on va garder l'argent qu'on a comme ça. On va switcher sur Michael, du coup, et on va faire la même chose de son côté. Donc, c'est-à-dire qu'on va aller s'acheter des armes, on va customiser le véhicule tranquillement. Et ensuite, eh ben, on ira du côté de Trevor. Il y a de l'embrouille. Ok, elle est où ta voiture? Ok, il y a ta moto là. Ah ouais, c'est que Franklin, il a la voiture et la moto. Ouais, par contre, je crois que je vais laisser tomber. Mais non. C'est pas là. Elle est où ta voiture, toi? Oh. Oh, Gérard. Oh, elle est là, la coquine, je la voyais pas. Ok, donc c'est bon. Hop. Oh, la mare. Ah, ouais. Il a eu ses sous, lui. Il a eu ses sous, mais il a pas eu beaucoup. Ok, lui il a pas excessivement d'armes non plus, ouais, donc on va lui acheter des armes et puis on verra, je pense, un peu plus tard pour la voiture. Par contre, attends, il n'y a pas un. Il se fout de moi, il n'y a pas un. Pas une armurerie à côté de. Ici, bon, bah on va la celle-ci. C'est dommage pour la customisation du véhicule parce que ce véhicule-là, je sais qu'il se customise plutôt pas mal. Il y a vraiment un bon choix de pièces à changer sur ce véhicule-là. Et malheureusement, je crois pas qu'on ait assez d'argent pour le customiser et acheter les arbres. Donc, et ben pour des raisons de
Si, ça doit se dire. Pour des raisons plus pratiques, tout simplement. On va rester du coup sur les armes. Hein, étant donné que c'est le plus important, on va rester sur les armes. Puisque les armes, voilà, c'est ce qui nous sert dans l'émission le plus que le véhicule. Donc voilà, tout simplement. Hop, les armes, allez, c'est parti. Donc lui, ça doit être pareil. Logiquement, le pompe. Sauf qu'il l'a déjà. On va juste rajouter le silencieux. Je trouve que ça fait stylé. On va lui reprendre des balles. Non, il est plein, ok. Ça, on va pas custom. Par contre, on va lui acheter ça, voilà. Hop. Et ouais, hein, si je me trompe pas, ouais, j'ai plus que 111 000, hein, je suis pas blindé, blindé, blindé. Hop. Un petit peu de bombe collante. Un petit peu de ça. Un petit peu de ça aussi. Voilà. Hop. Bueno. Ah, il faut savoir que c'est pas la première fois, mais l'une des seules fois où je fais le GTA Online vraiment sans faire de cheat code. Du coup, c'est vraiment enfin bizarre pour moi d'acheter des armes en mode histoire alors que d'habitude je fais le code d'armes et que j'ai tout direct. Ouais, c'est assez dommage. J'aurais bien aimé au moins juste pour les armes faire les codes, mais j'ai dit dès le début du let's play, on fait pas de code de triche dans ce let's play, c'est pas pour... Je veux pas vous montrer un let's play de triche, c'est vraiment un let's play fidèle au jeu, fidèle à ce qu'il est. Donc c'est pas en trichant que je vous montrerai le maximum. Donc on triche pas. Je l'ai pris le pare-chocs carrière, ouais c'est bon. Ouais, donc là on voit que mon argent il diminue quand même pas mal. Mais j'ai l'impression qu'on va pouvoir quand même faire pas mal de choses. Hein. Et ça me ravit. Celui-là il est stylé quand même. Ou alors il y a celui-là. Ouais, non, celui-là il est chelou quand même, il est chum. Ouais, on va se mettre celui-là, je crois. Attends. Ouais, on va se mettre celui-là. Klaxon clown évidemment, je me suis trompé en plus. Éclairage, hop, néon évidemment. Là les néons, la voiture on va la mettre, on va la mettre, on va la mettre, on va la mettre. Je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Allez on va se mettre les lumières noires. La plaque, hop, c'est un petit peu un détail. Je la verrais bien noir mat. Ouais, on va la mettre comme ça. Ouais. Comme ça, un peu à l'image de ma Kuruma ma blindée. Ça va rappeler des souvenirs du online. Et ça fait plaisir. Hop, on va se mettre la petite bordure comme ça. Ah, dommage qu'il n'y ait pas un bas de caisse blanc, ça aurait été tellement stylé. Oh, il n'y a pas d'aileron blanc non plus. Ok. Hop. Oh, on n'a plus beaucoup de sous. Ouais, niveau des jantes, on va partir. Sur celles-ci, elles sont pas mal. La couleur, on va mettre rouge. Ne me demandez pas pourquoi. Hop. Et la fumée de pneus patriotique. Hop. Avec le. Eh ben, écoutez, c'est bon, hein, on a pu tout faire. C'est plutôt pas mal. Ok. Donc là, on a nos véhicules de custom. On a nos armes de custom. On va switcher une dernière fois sur Trevor. Et sur Trevor, pour le coup, on n'a plus que on a plus que la voiture à customiser, étant donné que, eh ben, ok, on a que 41 000, donc on va rien customiser sur la voiture. On va garder les sous qu'on a. Ouais, donc bah du coup, on va se laisser là-dessus, puis on va enchaîner avec le deuxième épisode.
Donc voilà, on va se laisser là-dessus. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit j'aime, n'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo hein, sur les réseaux sociaux, un peu de partout. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures. Ciao bye!